Bon, alors, on a été arrêtés où les gens? J'ai déjà un petit peu oublié. Allez. On va voir ça dans 2 secondes. Alors c'est peut-être moi, mais j'ai l'impression que l'armure de Titus, plus on avance, plus elle est dégradée en fait. Zone d'atterrissage en approche. Le temple est situé sous le dôme couvrant la ville. On va devoir atterrir à l'extérieur et nous approcher de... Verrouillez l'armure. Lance of Jove, au rapport. Dégâts mineurs. Équipe technique en approche. Oh là, cette bande de BG là! Oui, monseigneur, nous sommes là. Très bien, mon frère. L'empereur nous protège. Dépêchons-nous. Nous avons un long chemin à parcourir. Allez! Qu'est-ce qui nous attend de beau ici? Neurotrope. Les tyrannides. Réduisons leur nombre. Baston. Ah oh ouais, le retour du sang. C'est ça qu'on aime. Ah. Elle va appuyer, je suis pas d'accord. Oh, le petit égorgement avec décapitation, là. Chef, avez-vous déjà affronté un Eurotrop? Oui. Un adversaire coriace. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, non. Formation, serrez les gens! Serrez les fesses! Soin! Allez-y, mes frères! Et venez vous battre! Bande de vermine! Ouais. C'est bien, il est tué pour moi, en vrai. Cible détruite. C'est bien vous, Kairon? Béni soit l'empereur. Heureux de vous revoir. Où est votre escouade? Anéanti. Le neurotrope les a taillés aux pièces. Nous devons franchir le pont. Lieutenant, c'est impossible avec cette bête là-haut. Quelle est la situation? L'arrière est couvert et on n'a pas assez d'hommes pour passer au travers. Les Cadiens tiennent le pont, comme ils peuvent. Mettez-vous en place près du pont.
On se charge du neurotrope. Très bien. Nous allons les venger, mon frère. Faites attention. Ah, d'ailleurs, je me suis un petit peu renseigné sur l'histoire de Titus, là. Un assaut direct sur la ligne arrière. Bombe à fusion, dégâts colossaux, détonation à distance, là. Ah non, merde. Mes sens sont obscurcis par les toxines. Alors, qu'est-ce qui nous attend, les gens, ici? Connaissez-vous Varelus? Nous avons servi ensemble dans la 9e. Je m'y vois là. Comment ça? Nous avons défendu une forteresse contre un assaut des orques. Un poste de guerre a pris le dessus sur moi. Il a mis sa poreuse sur ma tête. Varelus est intervenu et lui a coupé le bras. Puis il s'en est servi pour le massacrer. Rendons-lui hommage en vengeant ses hommes. Alors, qu'est-ce qui nous attend ici? Ah merde, c'est tout enfoiré invisible. Je vous remercie de votre aide. Je déploie une grenade frappe. Le Lictor est mort. Rechargement en cours. On est beau, on est bourrin, on a des couteaux qui font 3 mètres de haut. Mon frère, que s'est-il passé sur Graia? Rien de bon. Et plus précisément, je préférerais me concentrer sur notre mission. Vous dissimulez des informations relatives à la mission en question. Vous vous oubliez, sergent. Vous êtes impulsif, vous vous intéressez à des dossiers classés et vous ne nous dites rien. Gadriel, nous avons le droit de savoir qui nous commande. Cette conversation est terminée. Apparemment, ce que j'ai bien compris sur l'histoire de Titus, c'est qu'en fait, il est résistant à l'énergie warp, si j'ai bien compris. Et du coup, à cause de ça, tout le monde l'a pris pour un hérétique. Occupez-vous d'eux, avec plaisir. La mort vous attend, sale Xenos. Oh, nul la grenade! Ah, j'attendais tellement à mieux, il était marqué dégâts importants. Allez, tiens, on y vissait. Varelus, préparez vos hommes. Vous êtes passé. Nous sommes sur le point d'éliminer le neurotrope. Parfait. Faites-le souffrir. Oh, faites-le souffrir, oh, tu sais comment me parler, toi. T'inquiète pas, Jutfruit, tu nous verras mourir un jour. Parce que de toute façon, on va faire l'émission coop aussi en stream. C'est lui le neurotrope! Bon les gars, je vous laisse vous démerder vite fait là. D'où tu m'as touché, bâtard? Ah putain.
Il a l'air plus cocasse, lui, en vrai. Non. Surtout, j'ai pas l'impression de lui faire des dégâts. Comment cela se fait-il? Cours, Ticus. Tant que mes copains meurent pas, ça va. Wow! C'est quoi ça? Ah putain, faut aller à l'intérieur, je crois. Allez, gars, vous avez pas envie de taper un petit peu? Non? Demandez. Ouais, non! Allez, redescends sur Terre, s'il te plaît, vite fait, là. Allez, juste deux secondes, promis. Je vais pas te buter. Ouf, 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 ouf. Attends, mon bichon, je suis là! Ah! Ah. Oh merde. Oh merde. Oh, ça devient le bordel. Ouf. Et soigne-toi. Putain, je prends trop cher, sérieux. Ouf. 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 C'est con parce qu'au début ça se passe bien. Oh, là j'ai un pote qui a été neutralisé là. C'est bon, il a raise. Là que t'as pas pu tes potes, hein. Il est mort, il est mort, il est mort, vite, 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 vite. J'arrive. Les Xenos ont dû le sentir à des kilomètres. La victoire nous appartient, mes frères. Faisons des paris, il y a un sub Kitman. Kitman, Kex va mourir au moins 3 fois ce soir. Attention, hein, parce que techniquement, mourir ça veut dire game over, hein. Ça veut pas dire être mis à terre. Nous devons nous rendre au dôme. Bonne route, mes frères. Hands up, Jove. Nous nous rendons au pont. Je vous rapporte. Les dégâts sont pires que ce que je pensais. Les technoprêtres y travaillent. Tenez-moi au courant. Mes frères. Continuons. Mais du coup, si je meurs pas au moins 3 fois ce soir, les Cadiens sont en train de repousser les tirs. Qu'est-ce que tu donnes, toi? Infâme créature. Pas le temps de se réjouir. Nous devons continuer. Allez, un petit peu de boucherie là.
Ouais, c'est nombreux là. Alors, d'autres volontaires ? C'était le dernier. À quelle distance se trouve l'Euse ? Nous sommes encore loin du dôme. Alors faisons vite. Il a pas mal, il est excellent. Je vous emmène faire un tour ? Sergent, content de vous voir. Les Cadiens ont pris le contrôle du pont. Besoin d'un coup de main, peut-être ? C'est pas de refus. Allez, montez. Le temple est par là. Lieutenant, les Cadiens demandent des renforts. Allez-y. Merci, mon frère. Des Ultramarines ! Est-ce que les ennemis ont infiltré le dôme ? Non, monseigneur. Qu'en est-il du temple de Tassean ? Le dôme a été évacué il y a plusieurs jours. Rejoignez le bataillon principal. Nous avons l'ordre de rester ici. Qui vous l'a donné ? Le capitaine Fairborn. On doit tenir cette position jusqu'à nouvel ordre. Le dôme est vide, alors rompez. Mais, seigneur... Je vous ai donné un ordre. Pardonnez-moi, une erreur de communication sans doute. Le capitaine a insisté... Ce sont des déserteurs. Non, non, non. Nos ordres sont clairs. Contactez votre capitaine. Si vous êtes des déserteurs, je vous exécuterai moi-même. Capitaine Fairborn, vous me recevez ? Capitaine Fairborn, répondez. Une embuscade. Brûlé en enfer. C'est quoi ça? Cal, prête. Les hérétiques! Tuer des hérétiques. On va faire mieux que ça, ma biche. C'est marrant parce qu'on dirait qu'ils sont égyptiens. Hérétique, capitaine. Très petit, vu d'ici. Égyptien, égyptien. Ouais, ouais, ils ont... Ils ont pas le symbole d'Horus sur l'armure, là, d'ailleurs. Purgez les hérétiques. Ils sont là, traîtres. Attendez, j'ai dû rêver. J'ai juste couru vers lui, ça l'a écrasé. Genre ? Contamine l'espace et le temps. Ne vous laissez pas berner par leur ruse. Ah, mais ça se TP en plus ! Champion a été vaincu.
Pas folichon le champion, on va pas se mentir. Au rechargement. Titus pour le capitaine Akeran. Ici Akeran. Nous venons d'être attaqués par les forces du chaos. Vous en êtes certain? Aucun doute possible. Les Reticus Astartes et ses sbires. Par le foutu trône. Est-ce que vous tenez l'œuvre? Négatif. Nous arrivons à l'objectif. Trouvez-le et sortez-le d'ici. Dépêchez-vous. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Bah écoute, j'avance, hein. Bon. Je pense qu'on va retourner sur les pétronçonneuses. Il me faut du dégât de zone. Des grades de frag aussi. Cinématique. Je crois que Kairon est foutu. Je vais réduire vos os en poussière. Votre opinion, les gens, est-ce que Kairon est foutu? Mettez-vous en position de défense. On vous couvre. Kairon! Il est enragé. Il met toute notre mission en péril. Il est piégé de l'autre côté. Les champs de force bloquent les voies de sortie. Il semble insensible à nos armes. Ah, ils sont stylés! Égyptien! Dame misérable vie sachée. Me ravitaille. Bum 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 bum. Vom 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 vom. Ta traîtrise s'arrête ici. Rechargement en cours. Oula! La sortie est bloquée par une sorcellerie hérétique. Cet hôtel, il porte la marque du grand ennemi. Détruisez-le. Allez! Artefact détruit. Regardez, les champs de force disparaissent. Kairon, prenez la sortie. Mon frère, par les portes de Hera, calmez-vous. Je ne connaîtrai pas le repos tant que tous les cadavres des hérétiques ne seront pas à mes pieds. Oh là là, dis donc. Mais t'as un pipette à câble, Kairon, là. Reviens à tes esprits et écoute. Utilise le protocole Justin Bieber. Wing. Je ne l'avais encore jamais vu faire pour le contrôle ainsi. Il met le système tout entier en péril. Oh, tu m'excuseras, Kairon, mais on a d'autres problèmes, nous. Gage de recharge.
Donc Aaron, tu sonnes un petit peu comme un fanatique, hein, je tiens à te signaler. Bon. Mettons-nous au travail. Par contre les gars, vous pouvez pas me tirer dessus? Non, je sais pas. Salut mes enfants, bling. Le pont est dégagé. Couvrez Kyron. Ouais, je glisse comme une tanche là. Ça va être dégagé le pont, hein. Pas un moyen d'accéder directement à Kyron là. Je me doute que ce petit con va mourir. Il a la tête du gars qui va mourir le premier. Et je dis pas ça parce qu'il est black, hein. Ah d'accord. Ne vous laissez pas tromper. Ah. Super. Munition sécurisée. Ah, c'est des fakes. Rechargement. Bon, vous connaissez toujours le dicton, hein. C'est toujours le black qui meurt en premier. Il ne reste aucun traître. Rejoignons Kyron, tout de suite. Sergent, contrôlez le périmètre. Oui, mon frère. Vous voulez bien m'expliquer? Dois-je justifier ma haine? Vous devez justifier votre imprudence. Les traîtres ont une dette envers moi. Et vous êtes prêt à y laisser la vie? La mort est mon devoir. Votre devoir est de servir l'Empereur. Vous mourrez quand et où il l'aura décidé, pas à cause d'une simple vendetta personnelle. Je me fais bien comprendre. Lieutenant, vous devriez venir voir. Là-dedans. Ils utilisent une sorte de chambre. Les hôtels, ils ressemblent à celui qu'on a déjà vu. Ils doivent générer le bouclier. Détruisez-les, puis éradiquez ces abominations de la face de ce monde. Je crois que nous avons découvert les motivations. Génération Club Dorothée. Ils ne chercheraient pas à arrêter Aurora. Vous comprendrez bientôt qu'avec les hérétiques, les apparences sont toujours trompeuses. Ils ont crié mon nom, mais je suis resté caché. Ma position, mon rang, ma vie vaut plus que la leur. J'appartiens à l'Adeptus Administratum. J'appartiens au Departamento Exacta. Je fais la guerre. Je suis un... Oh, ils ont des boucliers maintenant. Ah bah ça leur sert pas à grand chose apparemment. Ah, quoique si, ils sont un petit peu plus résistants. Ah, d'accord. Ah, cool en vrai. Fan des années 80 et fan jusqu'au bout des seins. Vous
indiqué à Akiran que les Mechanicus devaient être stockés. Moi, je suis plus fan des années 90, hein, c'est mentir. L'artefact mentionné dans les dossiers classifiés a peut-être été créé par le chaos. Pourquoi n'a-t-il pas été détruit? Il est extrêmement... Super Nintendo, Half-Life, tout ça, Quake... Doom... Vous allez leur livrer l'Euse pour qu'ils puissent continuer? Tels sont mes ordres. Wow, bordel, c'est quoi ça? Oh mon dieu, c'est quoi ce machin? Boing, boing. Une grenade pour monsieur! Il m'a tiré dessus. J'ai bien qu'il y en avait encore un. La misérable vie s'achève. Oui, ça va, Revigo, on sait que tu es vieux. Maintenant l'hôtel. Ah, faut être dans la zone! Les hérétiques envoient de bien maigres effectifs à nos ordres. Montrez-leur le fruit de leur fourvoiement. Recharge! D'autres abominations qui ont envie de mourir. Ah, ouais. Allez-y les gars, parce que moi je dois rester dans la zone, hein. J'ai pas le droit d'en sortir techniquement. De toute façon, je crois que je vais devoir sortir. Vu que les gardes en face ont pas l'air de vouloir venir. Ça te pardonne pas le jeu mine de rien par moment. Un petit coup dans le dos, c'est terminé quoi. Oh non! Au moment où j'active mon cul là. T'as pas le choix, faut aller dans le tas là. En tout cas, j'espère que Doom the Dark Age fera aussi bien que ce jeu. Hein. Très bien que Doom va faire aussi bien. Hein. Les mots aussi creux que vos fers tombés au combat.
J'ai plus de balles. J'ai plus de balles. Oh, j'ai pas le choix. Corps à corps time. Du coup, est-ce qu'il y a des trucs qui sont dédiés aux Space Marines du chaos? Des livres ou des jeux ou des BD, je sais pas. Ça m'intéresserait bien de voir un petit peu ce que ça propose sur Space Marine du Chaos, moi. Lance of Jove, extraction imminente. Affirmatif. Au nom de l'Empereur, ouvrez les portes! Morias Leuz. Je vous dois la vie. Venez avec nous. Où ça? À la barge de bataille. Entendu, mais il faut tout d'abord que je parle à l'Archimagos Nosik. Il est mort. Mort? Vous devez le remplacer. Je... Leuz. D'énergie. C'est dangereux. J'ai passé ma vie à l'étudier. Je vous assure qu'elle est inoffensive, entre de bonnes mains. Quelle arrogance. Arrogance? Pourquoi les Mechanicus se mêlent de ce qu'ils ignorent? Nous suivons la volonté de l'Omni-Messie. J'écoute. Titus, faites votre rapport au capitaine Akeran de votre arrivée. Bien compris. Titus? Un capitaine nommé Titus a été tué sur le mont Forge de Graia, il y a plus d'un siècle. Il tenait la source d'énergie entre ses mains. Et même un Astartes n'aurait pas pu survivre à une telle puissance. Morias Leuz, suivez-moi.
Oui. Sentir mauvais pour le Titus, là. D'ailleurs, je me demande vraiment, comment est-ce qu'il a fait pour survivre à l'explosion Warp, le Titus? D'ailleurs, en français, vous dites comment ça? Vous dites Warp ou vous dites Warp? Parce que en France, vous dites ouais, WC, tout ça, wagon, à la place de wagon, WC. Que vous dites Warp? Nous devons rendre compte au capitaine Akeran. Colmatez ces fuites de Prometheum immédiatement. Dispense de la maintenance. Il me faut une équipe de réparation avant mon prochain vol. Oui, seigneur. Prenez note des dégâts de bataille à l'intention des Tekkunugus. Alors du coup, si vous dites Warp, pourquoi est-ce que vous dites pas WC, Wagon, tout ça? C'est votre droit. Mon frère, nous voulons seulement aider. Aider? Vous avez failli faire échouer la mission. Et maintenant, vous parlez d'aider? Ouais, comment t'oses parler d'aider, là? Ouais, ta tête de Mechanicus, là! Pour les Space Marines ici, cassez-vous. Genre, il a une tronçonneuse à la place du bras. Encore un bras robotisé, je peux comprendre, mais une tronçonneuse. Pour couper les steaks quand il fait un barbecue. Les forces de l'Astra Militarum font état de multiples contacts avec les Rubricaïa. Seigneur. Hereticus Astartes. Ils investissent toutes les villes russes sur Avarax. Nous sommes déjà débordés par les tyrannides. Les traîtres nous prennent de court. Les Adeptus Mechanicus disent qu'Aurora est prête. Que l'arme va fonctionner. Chef. Je comprends vos craintes, Titus. Mais nous n'avons pas le choix. Est-ce qu'on peut au moins avertir Khalgar du danger? Impossible. Le relais astropathique sur Avarax est entièrement encerclé. Toutes nos tentatives pour percer les lignes des tyrannies ont échoué. On peut transmettre un Vox? Non, il y a une zone blanche autour du relais. Nos communications Vox sont bloquées. Alors nous devons entrer. L'Empereur m'en soit témoin, j'ai essayé. Maintenant les tyrannides attaquent nos défenses. On se retire à la forteresse. C'est là qu'on livrera notre dernière bataille. Projection du champ de bataille. Zoom en C3. Où es-tu? Là, le tyran des ruches. On n'a pas reçu de rapport. Il est là. En le tuant, on rompt la connexion synaptique. Il décamperait comme des rats. Un tyran des ruches. Un adversaire de taille. Et si vous vous trompez? S'il n'est pas là? Je ne peux pas envoyer des hommes sur une intuition. Confiez-moi deux escouades. Deux escouades? On doit tuer le tyran des ruches, trouver le brouilleur et délivrer le message jusqu'au relais. Six hommes. C'est tout ce que je peux faire. Je n'aurai pas mieux. Merci. L'Empereur vous protège. Lieutenant Titus. J'écoute. Venez me voir sur le pont d'équipage. Bien reçu. Et rassurez-moi, on n'est pas à la fin du jeu, là. Je serais vraiment pas d'accord si on était déjà à la fin du jeu, là. Vas-y, si on est vraiment à la fin du jeu, là, c'est trop court, bordel. Il doit y avoir un truc, je sais pas, moi. Un retournement de situation, une traîtrise quelque part, dans le scénario. Ah, je sais pas, j'ai été voir sur Long To Beat le... Si pour le Space Marine 2, apparemment c'est 7 heures. Transgression. J'en assumerai l'entière responsabilité. Je n'ai fait aucun rapport. Je dois encore décider si vous méritez une pénitence formelle. Jericus s'est fait surprendre par un Astartes rubriqué. Il a vaincu l'ennemi, mais perdu sa revanche. Ces abominations font remonter toute ma colère. En effet, c'est là... Tu
Titus, le capitaine a placé tous ses espoirs sur vous et cette mission. Si jamais vous atteignez le relais, votre message au seigneur Khalgar peut déterminer le cours de cette guerre. Choisissez vos mots avec soin. Vous doutez de mes intentions ? Ce sont vos actions que je jugerai. Inutile de vous rappeler les conséquences dont vous avez eu à souffrir la dernière fois. Si vous ne pouvez pas vous fier à la volonté du Primarque, alors vous n'êtes pas digne de votre devoir. Il semble que je ne sois pas le seul sur ce vaisseau. Ah ouais, si, ça vaut toujours le coup de l'acheter, hein. Franchement, les gens, on va pas se mentir, vous préférez quoi ? Un jeu comme Assez Valhalla qui dure 50 heures et qui est à chier ? Parce que vous préférez un jeu à la Doom Eternal qui dure même pas une dizaine d'heures, mais qui est totalement intense et jouissif. Faites votre choix. Moi, ouais, mon choix est déjà fait. Ah, de nouvelles armes sont disponibles. Ouais, moi aussi, hein, tous les jours, je choisis Doom, hein. Le voilà. Lieutenant. Oh. Galéo et moi examinions justement votre récent diagnostic. Galéo, je désapprouve de telles intrusions. Moi de même. Mais il y a des questions qui ne peuvent rester en suspens. Je ne cherche que des réponses. Votre survie est un profond mystère qui doit être résolu. Une curiosité si débridée ne mène qu'à la ruine. C'est bien là où vous faites erreur. La ruine nous entoure. Mais je vais bientôt partir pour l'installation Aurora sur Temerium. Et là, je fermerai définitivement tous les portails menant à la ruine. Vous verrez. Merci pour le sub offert, jus de fruit. Incinérateur plasma. Ah, tout débloqué, je crois. Ouais. Ah, mais c'est à quel moment qu'on débloque le marteau ? Lieutenant, l'escouade est prête. Lieutenant, nous sommes sous vos ordres. Le relais astropathique sur Abarax est pris d'assaut. S'il tombe, nos espoirs de renfort tomberont avec. Nous allons exécuter une opération en trois points. Pour briser le commandement Xenos, rétablir le Vox et protéger le relais. Nous ne vous décevrons pas. Tant mieux, personne ne peut décevoir aujourd'hui. Préparez-vous au déploiement. Je vous donnerai les détails de la mission pendant la descente.